Chers téléspectateurs, Bonjour bonjour à à tous. tous. Aujourd'hui, on continue avec de nouveaux mouvements du sabre du Taizi. Fangzhou, tu es prêt? Oui, allons-y. Avant de commencer le nouveau cours, révisons les mouvements de la dernière fois. Le dragon remue la queue. Le vent balaye les fleurs de prunier. Écartez les nuages pour voir le soleil. Faisons l'enchaînement. Regardons les nouveaux mouvements de la séance. Commençons avec pousser le navire dans le sens du courant. Sabre dans la main droite, la main gauche tient le dos du sabre. Retournez le sabre avec la main vers l'extérieur, croisez le pas et piquez vers le bas. Bien, regarde-moi le faire une fois. À toi de le faire. Ok. Quand on retourne le sabre, la main est sur le dos du sabre. Attention à ne pas la mettre là. On ramène, puis au moment du pas croisé, on pique vers le bas. Bien, fais-le avec moi. Allez. Attention à bien coordonner le mouvement des mains et des pieds. Maintenant, dégagez les herbes pour chercher le serpent. Sabre dans la main droite, il tourne avec le corps. Reculez, tournez la taille, ramenez le pied, redressez le sabre, avancez, ramenez le pied gauche et poussez avec le sabre. Bien, regarde-moi le faire une fois. À toi maintenant. Bien. Quand on tourne la taille, la main se pose sur le dos du sabre. Il tourne avec le corps, on l'inverse d'abord, puis on avance, la taille emmène le sabre, le pied suit et on pousse. Bien. On refait une fois. Prêt? C'est parti. Dégagez les herbes pour chercher le serpent. À présent, passons à Le tigre noir parcourt la montagne 1. Décrivez un cercle avec la pointe du sabre vers le haut, ramenez devant l'abdomen, levez la jambe gauche, sautez, avancez la jambe droite en position du cavalier, piquez en sortant la force devant. Regarde-moi le faire une fois. Bien, à ton tour. Bien. Attention, lors du cercle vers le bas, le mouvement doit être rond. On lève la jambe, on saute,
On avance en piquant, la force arrive à la pointe du sabre. Refais-le une fois avec moi. Le tigre noir parcourt la montagne 1. La force doit atteindre la pointe du sabre quand on pique. On fait l'enchaînement. Amis téléspectateurs, restez avec nous, une courte pause et on revient de plus belle. Démonstration en groupe du premier enchaînement des techniques de sabre du Tai-Chi. Ensuite, pratiquons ensemble tous les mouvements appris dans cette séance afin de mieux les comprendre. Quels sont les points clés de la séance? Poussez le navire dans le sens du courant. La taille emmène le sabre, le pas croisé et le piquage sont simultanés. Dégagez les herbes pour chercher le serpent. Les mouvements du corps et du sabre doivent être coordonnés. Le pas vers l'avant et la rotation de la taille se font en même temps. Le tigre noir parcourt la montagne 1. Le moulinet de sabre et le saut sont simultanés. Le piquage amène la force dans la pointe. Le sabre du Tai-Chi nécessite de la pratique, répétant donc les nouveaux mouvements. Poussez le navire dans le sens du courant. Dégagez les herbes pour chercher le serpent. Le tigre noir parcourt la montagne 1. Lions les mouvements ensemble. Comment réaliser la coordination entre le corps et le sabre? L'ensemble du corps doit être détendu. 2. Utilisez la taille comme un pivot. La taille en tournant entraîne le reste du corps. 3. Vide et plein. Lors de la pratique du sabre du Tai-Chi, il faut être attentif au changement du centre de gravité. Si on se sent mal coordonné, que la force se transmet mal,
Il faut alors vérifier la coordination entre haut et bas du corps, entre la rotation de la taille et les mouvements des membres, et voir si les accélérations sont faites au bon moment. Démonstration d'une forme en duo de sabre du trail-tir. Forme entière de sabre du trail-tir. Fangzhou, ces derniers jours, tu as fait de gros progrès. Merci, professeur Wang. Pratiquez bien de votre côté. La séance s'achève, on se retrouve à la prochaine séance. Au revoir. À la prochaine séance, on continuera les mouvements de la première partie de la forme. Continuez bien à nous suivre.